Youp, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of Diablo Immortal avec Takido. Salut! Alors, comme on avait dit, on va faire plein de vidéos en fait sur Diablo Immortal. Donc aujourd'hui, on va faire une spécialement sur les loots. Ce qu'on peut looter, ce qu'on peut en faire, etc. par rapport à la classe et tout ça. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, petite indication déjà, quand vous allez péter du mob, le stuff que vous allez obtenir, c'est que pour votre classe. Vous n'allez jamais avoir pour du barbare si vous êtes nécro ou quoi. C'est vraiment que pour vous, et en plus, il vous suffit juste de toucher un mob pour avoir le loot. Voilà, par exemple, quand il y a plusieurs personnes en même temps, là on le voit pas pour l'instant, mais s'il y avait un autre personnage qui est à côté, si vous vous tapez sur les mobs, le loot, vous allez pouvoir le prendre, mais pas la personne qui les a pas touchés. Il faut au moins toucher les mobs pour pouvoir profiter des loots. Sachant que quand il y a plusieurs joueurs autour d'un pack d'élite ou de mobs différents, il y aura du loot pour tout le monde. Pour la qualité des loots, comme d'habitude, on a des loots gris, donc vraiment de base. Ensuite, on a du loot bleu, du loot jaune et du loot orange qui va être légendaire. Alors, le loot gris, c'est pourri, c'est-à-dire en gros du niveau, je dirais 1 à 10, il va vous servir, vous allez en être équipé. Mais par contre, à partir d'au-dessus, la plupart de vos items vont devenir bleus, puis ensuite rares. Les rares sont bien sûr plus compliqués à obtenir. Par exemple, celui-là s'obtient sur un boss que vous allez faire assez rapidement. Ou par chance, et dessus c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est vraiment sur les rares, parce que on va pouvoir aller au forgeron et on va vous montrer la fonctionnalité qu'il y a dessus. Donc on se retrouve sur le forgeron et là dessus vous avez recyclé, peut-être vous avez déjà vu l'option, vous pouvez échanger votre matériel gris, bleu, voire supérieur contre des matériaux de récupération qui eux vont vous servir à améliorer du stuff. Mais pas n'importe quel stuff, c'est-à-dire à partir de rares, en dessous, c'est pas possible. Vous allez donc avoir besoin des matériaux que vous allez obtenir par la récupération, par le recyclage de votre stuff. Et aussi d'autres matériaux poussière enchantée que vous pouvez obtenir, et c'est marqué. Où est-ce que vous pouvez obtenir la poussière enchantée, par exemple? À noter, par exemple, que votre stuff, c'est pas la peine de le garder pour pouvoir le vendre, parce que pour l'instant, jusqu'à un certain niveau, visiblement, on peut pas le revendre. Donc n'hésitez pas à le casser directement. Ça sert à rien de le stocker en se disant, tiens, je vais avoir plus d'or plus tard. Vous allez remplir votre inventaire pour rien du tout, donc allez-y, cassez dès le début. Il y a plusieurs niveaux d'enchantement, enfin d'amélioration plutôt, qui vont vous donner des attributs spéciaux. En tout cas, pour le nécromancier, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les classes, ça augmente la volonté et la détermination de 2 points. Et après, on a l'option transférer. C'est-à-dire, par exemple, vous avez bien augmenté un stuff rare, mais vous avez trouvé un stuff rare qui est plus puissant, avec des attributs qui vous intéressent plus. Et bien, vous pouvez transférer les anciens attributs. À préciser que si vous avez amélioré un pantalon, il faudra le transférer sur un autre pantalon. Bon, ça ne s'appelle pas comme ça dans le jeu, mais ça ressemble à un pantalon... des braies, ça peut s'appeler des braies. Ou des braies, ou un bout de tissu. Ou des cuissardes, par exemple. Oui. À noter aussi qu'il va vous falloir de l'or pour améliorer vos objets et aussi les items, ce qui va vous le freiner assez vite, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter au niveau 2 un objet très facilement, comme moi. Ça coûte vraiment rien du tout en termes de stuff. Mais par contre, au-dessus, il va falloir commencer à farmer un peu plus les objets. Voilà, et par exemple, ici, nous avons un petit event spécial qui a spawné juste devant l'endroit où je me trouve, qui permet, c'est-à-dire que vous allez farmer des mobs, il y a une vague de mobs qui va arriver, vous allez tous les péter et il va y avoir un super coffre qui va spawn au milieu avec du très très bon stuff, par exemple de la poussière enchantée qui va vous permettre d'améliorer vos items et aussi des items rares, c'est comme ça que j'ai eu mon premier item rare là-dedans. A noter que ces events spawnent à différents endroits et qui reviennent très fréquemment, donc si vous souhaitez le farmer pour l'XP, pour le stuff, etc., vous pouvez très bien le faire. Il suffit de squatter la zone en fait, vous squattez les zones d'événements, vous attendez, vous farmez. Voilà, ça c'était la petite introduction au loot, au système de loot, la qualité des objets, ce qu'on peut en faire, etc. Bon, évidemment, on va pas s'étendre, sinon ça fait des vidéos trop longues. Donc dans la suite, il y aura effectivement sur la joaillière et d'autres fonctionnalités, également le système de collection, les cosmétiques aussi pour les objets, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc on vous dit à très bientôt. Ouais, il y a énormément d'aspects intéressants, donc attendez-vous à voir plein de vidéos. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire ou sur le Discord, il y a des salons spéciaux pour ça, donc venez. Voilà, sachant qu'on récolte justement toutes les informations depuis hier pour pouvoir aider les joueurs, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yoshindo et Takido de la chaîne Rise of. Ciao.